Bien, et bien bonjour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener encore pas très loin de Las Vegas, à une trentaine de minutes de Las Vegas, dans une ghost town, une ville fantôme. Alors, comme vous le savez, généralement les villes fantômes, surtout dans l'ouest des États-Unis, ce sont des anciennes mines. Et là, je vous emmène à Nelson. Donc une ancienne ville minière où il y avait une mine d'or des plus populaires au Nevada. Voilà. Alors donc cette ville a été fondée en 1775 par les Espagnols, par les colons espagnols, les Spaniards comme on les appelait à l'époque. Et un siècle plus tard, alors cette ville, en 1775, en fait elle s'appelait El Dorado. Et un siècle plus tard, en 1875, on a découvert les filons d'or. Et donc, cette mine a été créée et en fait a fonctionné jusqu'en à peu près 1940. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont pratiquement des déserteurs de la guerre de sécession qui se déroulait dans l'est des États-Unis. À l'époque, il y avait 31 États aux États-Unis. Cette guerre qui opposait les États du Sud aux États du Nord. Et donc, dans les deux camps, il y avait des déserteurs. Effectivement, pour ne pas être pris sur place, ils traversaient les États-Unis et se sont dirigés vers l'ouest des États-Unis et en fait se sont dirigés vers ces mines d'or et puis on fait l'expansion de ces fameuses mines d'or de Nelson. Là je vous emmène visiter cette ville fantôme. Alors il ne reste plus vraiment grand chose au niveau des infrastructures parce qu'en 1974 il y a eu un énorme orage et il y a eu d'énormes inondations qui ont pratiquement détruit une bonne partie de cette ville fantôme qui était désertée. Pratiquement, il n'y avait plus personne à cette époque-là. Ces fameuses inondations ont détruit une partie de la ville fantôme de Nelson. Et aussi, il y avait un port qui n'était pas très très loin, qui faisait partie de Nelson, en fait, qui était sur le bord du Colorado et qui a été également pratiquement détruit. Voilà, donc moi je vous laisse regarder cette vidéo. J'espère que vous allez apprécier. C'est sympa à voir. Et il y a énormément aussi d'anciens véhicules que je vais vous montrer, des anciens véhicules de voitures, de camions, de bus de l'époque, des années 30, 40, peut-être même avant, et qui sont toujours là. Voilà. Je vous laisse regarder. À plus tard. Bye bye. Aujourd'hui, nous nous trouvons encore une fois près de Las Vegas, mais dans une ghost town, une ville fantôme qui s'appelle Nelson, qui est vraiment en plein milieu de nulle part près de Las Vegas. Et surtout, c'est une ancienne ville minière, comme il y en a beaucoup en fait, sont devenues des villes fantômes. Voilà. Alors, on va faire quelques vidéos et puis je vais vous laisser apprécier. C'est qu'il faut faire très attention parce qu'il paraît qu'il y a des rattlesnakes, c'est-à-dire des serpents à sonnette, et en fait ils sont assez présents.
Eh bien, j'espère que vous aurez encore une fois apprécié cette petite vidéo de ce village Nelson au Nevada. Alors, si vous voulez connaître l'histoire, ben moi je vous l'ai quand même raconté, mais si vous voulez connaître l'histoire plus approfondie, eh bien vous allez sur Google, vous tapez Nelson dans le Nevada et vous aurez l'histoire de cette ville minière. En fait, c'était une ville minière, une mine d'or. Voilà. Allez, moi je vous dis à plus. Alors donc, comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce bleu. Si vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne YouTube, vous pouvez laisser des commentaires pour le référencement. Faites ce que vous voulez, en fait. Allez, bye bye.